monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre sur ce vlog, merci de me faire une petite place chez vous aujourd'hui pour partager ce moment avec moi et avec toutes les petites choses, toutes les jolies choses que je vais vous montrer et dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc tout d'abord, bonne rentrée à tous. Je suis un petit peu en décalage, hein. Là, je tourne cette vidéo le dimanche 4 septembre parce que j'ai vraiment pas pu la faire avant, j'ai eu une semaine de rentrée explosive à tous les niveaux. Voilà, j'ai le boulot qui a repris dardard, j'ai pris une semaine, donc ça a été très court, et hop, je me suis replongée dès lundi dans le boulot, donc c'est vrai que j'ai eu énormément de travail, et c'est pour cela que je n'ai pas pu vous faire cette vidéo avant. Donc là, nous sommes dimanche matin, j'ai un petit peu de temps, aujourd'hui je souffle, je profite, je me repose, je me ressource à mon tour, et je suis là avec vous pour vous faire ce petit vlog. Donc, j'espère que cette rentrée s'est bien passée pour chacun d'entre vous, que vous avez des projets plein la tête, que vous avez envie de réaliser et que vous aurez justement toute l'énergie nécessaire et tout ce qu'il faut pour les réaliser. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année scolaire qui démarre. Si vos petits loups ou grands loups sont rentrés à l'école, au collège, au lycée, etc. Si vous-même, vous me suivez et que vous faites des études, j'espère que cette rentrée d'étudiants et scolaires s'est bien déroulée et que pour la rentrée au boulot, tout s'est bien passé. Aussi, que vous avez repris vos marques, vos habitudes, etc. etc. Voilà, donc merci de me rejoindre, un cœur pour vous, merci, merci, merci de me suivre sur cette chaîne. J'y suis moins souvent par la force des choses parce que je travaille davantage et c'est vrai que du coup j'ai moins de temps pour les réseaux sociaux et pour ma chaîne. Voilà, donc je vais continuer à animer cette chaîne à peu près une fois par semaine ou peut-être plus si j'ai davantage de temps, voilà, selon comment se déroulent mes journées. C'est possible que des fois il y ait 3 vidéos dans la semaine, hein. Mais bon, en principe, on va garder un rythme de minimum une vidéo par semaine, voilà. Donc ça, je tenais à vous le dire aussi. Au niveau des réseaux sociaux, j'y suis un peu moins aussi. Bon, Facebook, c'est surtout, vous avez sur Facebook ce que vous voyez sur Instagram ou sur YouTube. Je poste très rarement quelque chose directement sur Facebook. Ça m'arrive vraiment de plus en plus rarement, je crois. Voilà, donc j'essaye d'animer un petit peu tout ça. Je ferai certainement une pause au niveau des réseaux sociaux au mois de septembre, ça va pas tarder certainement, pour me consacrer aux envois de certains jeux qui vont arriver prochainement. Donc je vais vous en parler, je vais vous donner le sommaire une fois que j'aurai fini mon intro. Voilà, donc je vais consacrer du temps à ça, à mes consultations, donc la voyance, la cartomancie, les soins énergétiques, tout ça, ça me prend du temps. Je suis à mi-temps du lundi au samedi là-dessus, et le reste de mon temps, eh bien, il est distribué dans mes projets, mon côté artistique, l'écriture, etc. Donc c'est vrai que ça fait des grosses journées, et donc j'ai décidé de me couper des réseaux sociaux complètement, donc c'est-à-dire que je vais me couper d'Instagram, de Facebook, YouTube, il y aura peut-être des vidéos qui vont circuler, mais tout le reste, je ne serai plus du tout sur les réseaux pendant minimum une semaine, voire 15 jours, je pense, selon le temps qu'il me faut pour préparer les envois et expédier les jeux. Donc voilà, je pense que j'ai besoin de ce temps, c'est nécessaire pour moi que je prenne ce temps pour faire les choses tranquillement, sans me stresser, sans me dire « ah là là, j'ai oublié de faire ci, de poster ça, etc. » Donc je pense que c'est nécessaire. Je ferai un post ensuite quand les envois seront effectués. Mais voilà, je pense que pendant au moins une semaine, je ne vais pas trop être présente ni joignable sur les réseaux, mais je vous dirai à quel moment je fais ça. Évidemment, je vous préviendrai, c'est logique. Voilà, donc ça, c'était ma petite intro de rentrée. Sinon, me concernant, donc j'ai pris une semaine fin août, ça a été très court, trop court, donc j'ai eu la chance d'aller à la Sainte-Baume avec ma meilleure amie, Géraldine, on est allé voir la basilique de Marie-Madeleine, donc ça c'était super. Ensuite, je me suis faite tatouer pour mon anniversaire, voilà, je pense que ça vous l'avez suivi sur les réseaux, et sinon j'ai pas vraiment bougé, je me suis reposée parce que honnêtement j'étais un petit peu fatiguée, d'ailleurs je le suis encore un peu, c'est pas une super rentrée en pleine forme. C'est vrai que dès que je peux, je me ressource dans la nature, je me repose, je souffle un peu, parce que bon, j'en ai grand besoin. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des périodes comme ça où on est plus fatigué. Et puis je pense que c'est aussi le changement de saison, tout ce qui se passe aussi au niveau actualité, sans débattre là-dessus, mais je pense que tout ça c'est un petit peu épuisant aussi. Donc voilà, bon, ça c'était l'intro de base. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce vlog ?
Donc, les projets en cours, c'est-à-dire les précommandes qui sont en cours. Je vais vous parler de ça en premier. Ensuite, les projets à venir, qui sont à peu près concrétisés, hein, parce que j'aurai peut-être d'autres choses plus tard, mais je vais vous parler de ce qui est concret, on va dire, pour le moment. Et puis, je vais vous montrer un petit peu, juste comme ça, les jeux que je vais vous présenter prochainement, donc sur plusieurs semaines, évidemment, parce que j'ai quand même pas mal de jeux à vous présenter, donc ça sera sur plusieurs semaines. Ça va certainement nous emmener jusqu'au mois d'octobre. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Oui, donc ça c'est le sommaire général. Alors, on va commencer tout de suite avec les projets en cours, pour ceux qui ont fait des précommandes. Donc, pour le Singular Witchy Oracle, il y a eu deux fois des précommandes. Donc, pour ceux qui ont précommandé la première fois, donc il y a déjà quelques temps, les jeux vont arriver ce mois-ci et ils seront expédiés évidemment dans la foulée, le temps que je prépare vos petits paquets, etc. Donc ça, c'est pour bientôt, je les attends, là on est le combien? On est le 4, je pense qu'ils vont arriver aux alentours du 20 à peu près. Donc voilà, j'expédierai tout, on va dire, allez, grand maximum début octobre, ça devrait être fait, d'accord? Donc ça, c'est le Singular Witchy. Pour ceux qui ont fait la deuxième partie des précommandes, ça arrivera plus tard, fin d'automne, début d'hiver. J'ai pas encore de date pour le moment, mais je vous informerai évidemment. Donc là, je parle surtout des personnes qui ont fait les premières précommandes. Voilà, donc ça arrive. Je suis toute excitée de préparer vos jolis paquets, d'y mettre tout mon cœur comme d'habitude. Voilà, donc ça arrive bientôt. Ensuite, pour ceux qui ont précommandé le Singular Magic Oracle, donc ça va arriver un petit peu plus tard, c'est prévu aussi je pense à peu près fin d'automne, début d'hiver à peu près. Si ça arrive avant, tant mieux, évidemment je vous les expédierai dès que je les ai, mais j'ai pas encore vraiment de date précise, donc je vous dirai exactement ce qu'il en est. J'essaye de faire aussi les choses dans l'ordre. Donc dans l'ordre, il y aura la première partie des précommandes septembre-octobre. Ensuite, il y aura ce jeu-là qui arrivera et que j'expédierai. Et en dernier, les deuxièmes précommandes du Singular Witchy. Voilà, donc au moins c'est fait dans l'ordre. Donc j'espère que vous avez tout suivi. Donc pour le Singular Witchy, première partie, ça arrive ce mois-ci et je vous informerai des envois, etc. comme d'habitude. Ensuite, pour les paroles arc-en-ciel, il n'y a pas de réédition prévue pour le moment. Je n'ai pas prévu de le rééditer. Mais sachez qu'il me reste 3 exemplaires. Donc si vous souhaitez commander ce jeu, j'en ai encore 3. J'en ai pas plus de 3. Donc après ces 3-là, c'est terminé. Je n'en ai plus de disponibles. Voilà, je tenais à vous le préciser. De temps en temps, je reçois des petits messages. Donc oui, sachez que j'en ai encore 3 exemplaires en stock. Donc là, ils partent tout de suite. Voilà pour les projets en cours. Donc évidemment, dès que j'ai des dates vraiment précises, je vous informe. Dès que le Singular Witchy est arrivé, je vous le dis, les expéditions se feront dans la foulée. Pareil pour le Singular Magic, je pense que ça sera courant automne. Ouais, à peu près, je dirais milieu, fin d'automne. J'espère pas quand même trop proche des fêtes, j'aimerais bien l'envoyer avant. Voilà, parce que c'est vrai qu'après, à partir de la deuxième semaine de décembre, j'en vois plus rien à cause des fêtes, etc. C'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va arriver avant et que j'ai bouclé tout ça au moins pour la fin de l'année. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Les projets à venir. Alors, le Singular Magic, le Normand, voilà, qui est le dernier, finalement, des 3. Donc ça, c'est la seconde édition du Singular Magic. Mais voilà, donc en fait, il y a les trois compères. Et donc ça, c'est le dernier en date. Alors, je ne vais pas vous montrer de cartes pour la bonne et simple raison que j'ai retravaillé absolument tout le jeu. Donc, ce qui est dedans ne tient plus vraiment la route puisque je l'ai retravaillé complètement. J'attends l'exemplaire test pour vous le présenter. Et une fois que je vous l'aurai présenté, je le mettrai en précommande. Et il sera livré, je pense, en début d'année 2022 probablement. Voilà, à moins que je puisse le livrer avant, évidemment, si tout arrive en même temps. Mais ça, je préfère, voilà, ça sera probablement début 2022, mais les précommandes seront lancées certainement en octobre. Et donc, voilà à quoi il va ressembler. Ça, c'est le dos et les tranches qui sont argent. Il a la même taille que les autres. Mais voilà, pour l'instant, je ne vais pas vous montrer davantage, puisque ce n'est pas le bon modèle et que je reviendrai vers vous pour une review dès que je l'aurai reçu. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous parler de... Alors, je vais vous en parler brièvement parce que je vais y revenir dessus quand je vais faire la review. Dans ma pochette, il y a les originaux. Du Liliath et Kalum, l'oracle alchimique de l'union sacrée.
Vous avez été très nombreux à me poser des questions sur ce jeu. Que voici, que voilà. Donc, je vais vous montrer juste quelques cartes originales. Donc, voilà, j'ai travaillé sur du papier noir. Alors, c'est irisé. Donc, évidemment, le jeu ne sera pas irisé, mais les couleurs ressortent super bien. Voilà, donc je vous montre quelques cartes. Celle-ci, vous l'avez vue sur Instagram il n'y a pas longtemps. Voilà, l'ermite. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a fait une réflexion, qui a mis un commentaire sur cette carte en me disant « C'est dommage, on perd une grande partie de la symbolique de l'ermite. » Simplement, ce n'est pas un tarot, c'est un oracle. Donc, il y a une partie, évidemment, de la signification qui correspond à celle du tarot, mais pas complètement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne retrouve pas la lampe, etc. J'ai fait un tarot, et dans le tarot que j'ai fait, on retrouve toute la symbolique de l'ermite. Là, il s'agit d'un ermite particulier puisqu'il est lié à cet oracle. Il n'a pas tout à fait la même signification. Voilà, donc je vous en montre juste quelques-unes parce que ça m'a été demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bientôt, vous aurez la review. Voilà, donc je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui. Mais, oups, ça c'est mes polices d'écriture. Rien à voir. Ah bah écoutez, hein, c'est presque comme du direct. Donc voilà le bocaloum. Et donc c'est un jeu qui est très spécial, qui est alchimique, qui est sexy, qui est witchy, qui est un peu sombre aussi, hein. C'est quand même un jeu, un shadow deck aussi, hein. Donc voilà, il y a des animaux, il y a plein de choses, donc je vous présenterai tout ça mieux, je vous ferai la review dès que j'ai un petit peu de temps, parce que je veux faire une belle review, je pense que c'est, voilà, je vais me consacrer... Je ne vais pas tout vous montrer maintenant, je vais juste vous montrer le dos. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, je pense, la plupart. Donc voilà, ça c'est le dos. Et on a la tranche dorée. Ce sont de très grandes cartes, je vous en parlerai aussi de la taille, etc. Et ça c'est la petite carte de présentation. Où il est mentionné, au commencement était Kaloum, dans ses pas marchait Liliath. Je vous expliquerai pourquoi... J'ai écrit cette phrase et je vous dirai plein de choses pendant la review. Voilà. Donc ça, c'est le dos. Alors, le dos, en fait, c'est une... La base de l'image, c'est une image libre de droit alchimique que j'ai récupérée, que j'ai retravaillée, en fait, que j'ai retravaillée au niveau des effets spéciaux, etc. Voilà. Et donc, tout le reste, ce sont des illustrations originales de moi. Voilà, mais ça, je vous en parlerai prochainement. Donc ça, c'est le jeu test qui est conforme à ce que je voulais. Et il y a aussi, donc ça, c'est le jeu de base. Et il y a aussi des cartes astrologiques. Hop, on a 14 cartes. Donc on a la pleine lune et la nouvelle lune. Et puis on a les signes du zodiaque. Voilà, mais je vous montrerai tout ça correctement pendant la vidéo qui sera vraiment consacrée à ce jeu. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les projets à venir. Je reprends ma liste, parce que sans ma liste, je suis foutue. alors, donc, le Liliath et Kaloum, on a vu. Et donc, oui, je vais vous parler un petit peu des vidéos que vous allez voir prochainement sur la chaîne. Voilà, bon, c'est un petit vlog, hein, il est assez court, mais c'était surtout informatif. Alors, prochainement sur la chaîne, vous verrez le tarot des éléments de Melinda Lee Holm. Voilà, qui est très très beau. Vous verrez aussi le voyage sacré de Cheryl Yambrakroze. Et je suis fan de cette auteur et artiste. J'ai tous ces jeux, ces deux jeux précédents. Et donc voilà, je suis très contente. Merci aux éditions Très Daniel, à Isabelle de m'avoir envoyé ces deux pépites que je suis très heureuse de vous présenter prochainement. Donc vous retrouverez évidemment le Liliath et Kaloum aussi. Je vais vous présenter un jeu de cartes Divination Deck d'Anna Cortez. Que j'ai reçu il y a un moment. Et je vous avoue qu'il y a des choses que j'ai depuis très longtemps. Le Tarot of the Alchemical Magnum Opus, je l'ai depuis longtemps aussi, de Robert N. Place. Je vous présenterai aussi le Alchemical Tarot. Le Magic Tarot, que j'ai toujours pas présenté. Le Tarot des Luz, qui est magnifique, que j'ai eu pour mon anniversaire. J'en ai eu deux pour mon anniversaire. Le tarot de Carlo Tides aussi, voilà, donc je vous montrerai aussi ces deux-là. Et je vous parlerai aussi de Petit Oracle du tarot, voilà. Qui est paru aussi chez Très Daniel d'ailleurs.
Voilà, j'ai reçu ça cet été. Donc il y en a quelques-uns que j'ai depuis quelques mois et il y en a d'autres que je ne vous ai pas encore montré. Celui-ci, j'ai honte, hein, je l'ai depuis super longtemps. Je ne l'ai toujours pas présenté parce que j'attendais le bon moment pour m'y mettre. C'est le mystérieux labyrinthe. Voilà, le mystérieux labyrinthe. Donc ça, je vous le présenterai aussi bientôt. Et j'en ai encore un autre, je crois que j'ai rien oublié, parce que ça fait quand même un paquet, c'est le tarot astrologique. Voilà, je vous le présenterai aussi. Ben, je crois que j'ai rien oublié. Donc voilà ce que vous allez voir, vous avez un petit sneak peek de toutes les vidéos que vous allez voir. Et donc l'avancée un petit peu des projets, le stock restant des paroles arc-en-ciel. Bon, je crois que j'ai pas oublié grand-chose. J'attends voilà vos commentaires, vos questions si vous en avez évidemment. Voilà, mais je pense que j'ai tout dit. Donc bientôt je vous annoncerai l'arrivée de ceci. Voilà, et donc les expéditions aussi. Et si ensuite vous voyez que je suis pas trop là pendant quelques jours, c'est parce que justement je me consacre à ça, mais comme je vous le disais, je vous informerai. Voilà, bon, je crois que j'ai rien oublié. C'était un petit vlog, un vlog de retrouvailles, de rentrée, face cam, parce que ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait de vidéo comme ça. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas coupé mes cheveux. Ils sont, voilà, j'ai des cheveux plus longs que d'habitude. Alors, je sais pas si je, normalement, je suis censée me les faire couper. Mais bon, je sais pas trop si je vais les faire couper ou pas finalement. Donc, bon, vous pourrez me dire aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous me préférez les cheveux courts, courts, courts ou avec des cheveux comme ça? Je ne sais pas. Voilà, vous me direz un petit peu tout ça. Voilà mes amis, eh bien écoutez, je vous embrasse très fort, je vous dis à très très vite, à très vite pour les premières précommandes et puis à très vite aussi pour Lilia Tekaloum. Voilà, je vous montre la pochette, mais je vous en reparlerai aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, merci à tous, je vous aime très fort, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Thank you.